Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être en Israël, à la rencontre du Rav Hatoun, pour nous présenter la fête de Soukhot. Le mois de Tichri est le mois le plus chargé d'un point de vue spirituel dans la tradition juive. Il y a toute une construction qui se met en place. Rosh Hashanah, Kippour, Soukhot, Shemini Atzeret et la fête de Simchat Torah. Et aujourd'hui, nous allons concentrer notre réflexion autour de la fête de Soukhot. Tout d'abord, Rav Hatoun, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'origine de la fête et comment est-ce que nos maîtres présentent les singularités de cette fête au sein de notre calendrier ? Bon, merci de l'occasion. Je crois qu'il y a une précision qu'il faut d'abord, à titre d'introduction. En hébreu, une fête, ça se dit « moed ». Et le mot « moed » vient de la racine « vaad ».« Vaad », ça veut dire un rendez-vous, une commission, par exemple, ça s'appelle « vaad ». C'est lorsque plusieurs personnes ont à se rencontrer au même moment, au même lieu. Et le mot « Ed », les fêtes du calendrier hébraïque ne sont pas simplement des souvenirs d'une histoire poussiéreuse hébraïque passée, bien que ça aussi, mais ce n'est pas d'abord cela. C'est une espèce de réactualisation, mais c'est surtout un temps privilégié de rendez-vous entre le Créateur et la créature. Alors il y a des modalités de ce rendez-vous. Les trois fêtes dites de pèlerinage, Shalosh Regalim en hébreu, eh bien, ce sont des temps de rendez-vous particuliers où, au temps biblique et après, même à l'époque talmudique, la première époque talmudique, eh bien, le peuple d'Israël se retrouvait, fête de pèlerinage, en pèlerinage à Jérusalem et plus précisément au temple de Jérusalem jusqu'à sa destruction. Et cela veut dire qu'il y a, et nous en parlerons dans la suite, une nécessité vitale pour le peuple d'Israël de se retrouver en tant que nation, de se retrouver dans ce face-à-face, ce vis-à-vis, parfois j'aime à dire le vis-à-vis, entre la source vitale qui est le Créateur et celui qui nous a donné la loi morale, et puis ce peuple qu'il a choisi pour réaliser pleinement la loi morale, le projet moral qui est le sien. Alors je rappelle les trois fêtes de pèlerinage que vous évoquez, la fête de Pessah, de Shavuot et de Soukhot, dans cet ordre-là justement. Pourquoi est-ce que ces fêtes sont tellement importantes pour se retrouver à Jérusalem? Pourquoi pas les autres fêtes de notre calendrier? Voilà, alors effectivement, ce sont les trois dimensions de l'identité hébraïque. L'identité hébraïque est constituée d'abord et avant tout à partir de Pessah. Pessah, je le rappelle, la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, mais aussi la sortie de toutes les nations du monde qui étaient prisonnières dans cette conception déterministe que l'Égypte incarnait d'une façon parfaite. Et cette conception fataliste, déterministe, le temps circulaire, eh bien, le peuple d'Israël va être le premier peuple à être capable de briser ce cercle infernal et, grâce à Dieu, va être sorti de cette gangue pour réaliser, pour d'abord et avant tout se constituer en tant que nation capable de réaliser le projet du Créateur. Alors, le peuple d'Israël sorti d'Égypte, il ne faut pas se faire d'illusions, il est dans un premier temps un peuple d'esclaves, c'est comme ça qu'il est appelé. Il est un peuple pas seulement sur le plan physique d'esclaves, mais aussi sur le plan mental. Après des siècles d'esclavage, on n'a pas la possibilité d'être un homme libre, un homme capable de réaliser un projet moral ou spirituel. Et c'est la raison pour laquelle la première dimension de l'identité hébraïque, c'est l'identité nationale. C'est-à-dire que nous sommes d'abord et avant tout un peuple qui a une religion, mais pas avant tout une religion individuelle. Qu'en est-il de la parole divine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des commandements qui sont déjà adressés au peuple, ou c'est tout simplement un Dieu qui vient sortir son peuple d'esclavage? Alors, c'est une question très, très judicieuse, parce que, effectivement, le plus étonnant,
c'est que, au chapitre 12 de l'Exode, du livre de Shemot, eh bien, nous apprenons que le premier commandement qui va être donné à ce peuple, encore lorsqu'il se trouve en Égypte d'ailleurs, avant même à la veille de la sortie de cette maison d'esclavage, eh bien, c'est une mitzvah, un commandement qui est lié à la capacité que va avoir ce peuple de maîtrise du temps. « Achodesh Hazé, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, sanctification du temps, sanctification du mois, et cela va permettre, bien entendu, ce qui nous occupe, à savoir les deux autres dimensions de l'identité d'Israël. » Alors, si vous me permettez, je voudrais progresser. Donc, la première dimension de cette identité juive, identité hébraïque, c'est la dimension nationale, la dimension du peuple. La deuxième dimension, c'est bien entendu la Torah. Peu de temps après être sorti d'Égypte, eh bien, le peuple d'Israël va recevoir la Torah. C'est d'une certaine façon sa carte d'identité, puisqu'on parlait d'identité hébraïque. La carte d'identité de notre nation, c'est la Torah. Et il y a donc un projet moral, c'est la Torah, que ce peuple, nation capable de le réaliser, va être choisi. Et la troisième dimension, et là nous allons rentrer dans la fête de Sukkot, car la deuxième c'était la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. La troisième, eh bien, cette identité hébraïque va être marquée par la capacité de réaliser par ce peuple ce code moral dans un lieu privilégié. Ce lieu privilégié qui, dans un premier temps, dans le désert, va s'appeler Sukkot. Le mot Sukkot, au sens propre du mot, veut dire les cabanes, les demeures provisoires d'ailleurs. Nous avons une grande discussion dans le Talmud. Est-ce que la Sukkah doit être une demeure provisoire, une demeure fixe? Et la halakha, la loi juive, définit que c'est une demeure provisoire. On doit sortir quelque part de la fixité, la fixité mentale, la fixité intérieure, la fixité de l'être. On doit sortir de soi-même pour être capable, justement, de s'ouvrir au divin, de s'ouvrir aux dimensions morales et spirituelles. Est-ce que l'on peut dire que la soukha est le lieu de mise en application des lois qui ont été reçues lors de la fête de Shavuot? Voilà, alors justement, c'est un lieu privilégié. Lors de la fête de Sukkot, nous le savons, il y a un autre commandement très important, qui est le commandement des quatre espèces, de prendre les quatre espèces vives, le saule, le hadas, l'étrog, etc., et de les secouer dans les six directions de l'espace. Mais ça, c'est un commandement positif. Il y a aussi un autre commandement, qui est le commandement de vivre dans la soukha. Et c'est très curieux, parce que vivre, c'est pas faire quelque chose. Il s'agit de manger dans la soukha, il s'agit de dormir dans la soukha. Il y a une grande, grande question, si vous me permettez. Le Talmud s'interroge, est-ce que, et la halakha, la loi juive, est-ce que les commandements divins, quels qu'ils soient, nécessitent une kavana, une intention de réalisation? Ou bien est-ce que si je fais un commandement sans avoir même l'intention de le faire, est-ce que je suis quitte de la mitzvah du commandement dont il s'agit? Eh bien, la grande question, et nous n'allons pas trop approfondir, mais la grande question de halakha juive, c'est lorsqu'on dort, on n'a aucune intention, bien entendu, par définition. Or, la halakha nous dit, chaque instant où tu dors dans la soukha, tu réalises un commandement. Il y a ici quelque chose d'absolument extraordinaire, et nous dirons tout à l'heure dans quel parallèle nous trouvons une telle situation où, même en dormant, on réalise une mitzvah. Ce lieu de rencontre entre, finalement, Dieu et son peuple, est-ce que c'est un lieu qui doit être formé par Dieu ou est-ce que c'est un lieu qui doit être formé par l'homme? Et je pense, et je vous renvoie bien évidemment à une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que nous célébrons à Sukkot? Est-ce que ce sont les nuées de gloire que Dieu a déployées tout autour du peuple d'Israël? Non. Ou bien les cabanes que nous avons, avec nos propres mains, dû construire? Très bien. Je crois que lorsqu'on pose, vous savez, vous le savez certainement mieux que moi, lorsqu'on pose une bonne question, alors, dans la tradition hébraïque, alors la réponse se trouve dans la question. Et bien entendu, et sans être normand, je dirais gam ve gam, les deux sont vrais à la fois. Mais dans quel sens? Dans le sens que lorsque Dieu réalise cet espace privilégié,
ce qu'on pourrait appeler les catégories spatio-temporelles de l'être juif, n'est-ce pas ? Donc, le temporel, c'est la Torah de les bâtisseurs du temps, vous vous rappelez. Et puis, ici, nous parlons de l'espace de sainteté. Alors, lorsque Dieu réalise cet espace de sainteté par les nuées qui nous accompagnaient dans la traversée du désert avant d'entrer en terre d'Israël, Dieu réalisait, mais il réalisait, comment dire, par notre intermédiaire. C'est-à-dire que nous devons être participants de cette réalisation. Et de là vient l'opinion qui dit que c'était des cabanes, des soukottes que les enfants d'Israël ont construits de leurs propres mains et qui les protégeaient. Dans les deux cas, il s'agit d'une dimension de protection. Cette protection du peuple d'Israël est un thème extrêmement intéressant parce qu'il y a ici un mystère absolument incroyable. Ça veut dire, prenez par exemple aujourd'hui l'État d'Israël également. Sur la carte, on n'arrive même pas à le situer, entouré de pays ennemis plus ou moins, et plutôt plus. Et voilà que depuis le début de son existence, eh bien, il perpétue une existence éternelle. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce en quoi nous sommes convaincus. Alors, je crois qu'il y a ici le mystère de la Soukha. Le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, écrit dans un article sur Soukhot, justement, que il parle en hébreu du Mivtsar HaAgana. Il dit que la Soukha, c'est la meilleure protection qui soit. Parce que, évidemment, elle est fragile, elle est faite, vous le savez, de bois, de feuillage coupé, etc. Or, comment est-ce que ça peut nous protéger de quoi que ce soit ? Alors il écrit, c'est pas la Soukha qui nous protège, c'est Dieu qui nous protège. C'est-à-dire, le fait d'être en adéquation avec le projet du Créateur, eh bien, nous mettons sous les ailes de sa protection. Et c'est ça, le fait de sortir dans cette cabane. C'est la fragilité, la prise de conscience de la fragilité de l'être humain qui le protège. Vous me rappelez un mot de mon maître Manitou, Zichro Livracha, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, qui disait, qui lui était un grand érudit également dans les langues dites anciennes, et il nous disait que précarité, puisque finalement c'est de cela qu'on parle, ça vient du latin précari, et c'est de là que viendra ensuite le mot prière. Lorsque le peuple d'Israël prie, eh bien il prie pour la chose précaire, pour qu'elle soit capable de résister à toute atteinte, justement. Alors vous nous avez présenté la fête de Soukhot comme étant l'aboutissement des trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Soukhot. Mais d'un autre côté, ou même en parallèle, on a également la fête de Soukhot qui s'inscrit en tant que finalité des trois fêtes du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Soukhot. Est-ce que nous devons également créer un lien avec cette construction des trois fêtes du mois de Tishri ? Exactement. Je vais essayer les choses sont profondes. Je vais essayer en quelques mots de définir les termes. Rosh Hashanah, comme vous l'avez dit, Kippour et Soukhot. Eh bien, ce sont les journées redoutables, dites redoutables, Yamim Noraim. Eh bien, cette vision des choses, dans cette analyse, nous pourrons dire la chose suivante. Rosh Hashanah, c'est l'instant zéro de la création, sans rentrer trop dans les détails de cela. Et pour moi, l'instant zéro de la création, ça signifie lorsque il y a, peut-être analysons les termes, il y a la loi divine, et puis il y a la vie humaine. Et très souvent, nous en avons l'expérience, les hommes de la loi s'accordent pas trop avec les hommes de la vie, et les hommes qui font la vie s'accordent pas trop avec les hommes de la loi, n'est-ce pas ? La loi, par définition, est dure. La loi est impersonnelle, alors que la vie, elle, est tout sauf cela. Elle est personnelle d'abord et avant tout. Comment est-ce que va se relier l'impersonnel de la loi, le divin de la loi, avec le personnel de la vie du peuple d'Israël ou de l'homme de façon générale ? Eh bien, à Rosh Hashanah, l'instant zéro de la création, il y a fusion dans le projet divin entre la loi et la vie. Non seulement la loi n'est pas, comme dans certaines philosophies, contradictoire à la vie, mais la loi est l'épanouissement de la vie. La vie est faite pour réaliser la loi, parce que c'est cela, en fin de compte, son propre épanouissement.
Or, Rosh Hashanah étant l'instant zéro de la création, quand la création existe sans encore exister, eh bien, il y a fusion des deux, de la loi et de la vie, non seulement sans contradiction, mais en pleine harmonie entre les deux. Et puis voilà. Est-ce que cela nous renvoie à cet enseignement talmudique qui nous affirme que Dieu a regardé la Torah pour créer le monde, c'est-à-dire que la vie est au service finalement de la loi. Exactement. Le monde a été créé sur la base de la Torah. Eh bien, quelques jours plus tard, 10 jours plus tard, à Yom Kippour, eh bien, Yom Kippour qui veut dire le jour d'expiation, le jour réservé au repentir avec un grand R, ou comme disait Manitou, au revenir. Il y a différentes dimensions, le retour, le revenir, le repentir. Quoi qu'il en soit, à Yom Kippour, eh bien, nous prenons conscience que les choses ne sont pas exactement comme elles étaient prévues à Rosh Hashanah. D'ailleurs, ça aussi c'était prévu. Car toute création, le mot en hébreu création, bara, vient du mot bar, qui veut dire en araméen extérieur. Toute création, quand j'ai un enfant, eh bien, c'est moi-même. Mais c'est moi-même à l'extérieur de moi-même, et par conséquent, il y a cette dualité, parfois difficile d'ailleurs, à gérer, que c'est moi-même, donc j'attends de lui tout ce que j'attends de lui, mais en même temps, il est extérieur à moi-même, il a une autonomie de personnalité qui est la sienne. Quoi qu'il en soit, lorsque Dieu a créé le monde, alors bien sûr qu'il y a cette proximité absolue du Créateur et de la créature, mais en même temps, le fait de créer implique une distanciation, un éloignement. Alors, vient le jour de Yom Kippour, après Rosh Hashanah, après que le projet d'origine était un projet d'harmonie entre la loi et la vie, nous l'avons dit, eh bien maintenant, nous prenons en compte, nous prenons en considération et prenons conscience que ça n'est pas exactement le cas. Et que, comme j'ai l'habitude de dire, excusez-moi de la façon un peu plaisante, mais il n'y a que ceux qui n'ont jamais fait la vaisselle, qui n'ont jamais cassé d'assiette. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais fauté. L'homme faute. Et la question n'est pas s'il faute. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a fauté. Lorsqu'il a fauté, s'il est capable, il peut plus vivre avant d'avoir entamé un processus de repentir, de teshuva, c'est-à-dire de revenir à une situation dans la mentalité hébraïque dans laquelle il redevient comme à l'origine, il redevient blanc comme la neige. Alors ça, c'est le jour de Yom Kippour. Et il est intéressant de remarquer, justement par rapport à Kippour, que les secondes tables de la loi ont été données au peuple d'Israël le jour de Kippour et qu'actuellement, le peuple d'Israël vit sur cette deuxième chance. Absolument. Et non pas sur les premières. Absolument. Et les deuxièmes tables sont les mêmes sans être les mêmes que les premières. C'est-à-dire que, bien entendu, le projet divin est le même, mais c'est un projet divin à visage aimable, comment on va dire, à visage de rachamim, à visage qui permet, encore une fois, une réconciliation entre la loi et la vie. Alors, on résume notre parcours. Rosh Hashanah, fusion première, mais la vie n'existe pas encore vraiment. Yom Kippour, la vie existe et donc elle est capable de perversion par rapport à la loi, mais le repentir existe et par conséquent, tout est récupérable. Sukkot, qui est la fête du futur, car Rosh Hashanah est la fête du passé, de la création. Kippour, c'est la fête du présent, du repentir. Et Sukkot, c'est la fête du futur, des retrouvailles, de la fusion entre la loi et la vie, mais sur une base humaine, et non plus seulement sur une base originelle, divine, uniquement. Et d'ailleurs, et là, je voudrais, pardon, encore une phrase, là, je voudrais arriver peut-être à l'essentiel de ce que Sukkot, pour moi, représente. Sukkot, c'est le naturel de la vie, c'est le naturel de la sainteté. Comme je le disais tout à l'heure, c'est manger, c'est dormir dans la soukha, mais manger, dormir dans la soukha, c'est réaliser la véritable nature, l'authenticité de la nature d'Israël, qui est une nature sainte, qui est une nature capable de réaliser le projet du Créateur dans ce monde-ci, pas dans un monde supérieur, déconnecté du monde réel. Là où certains
pourrait penser que la fête de Kippour est le summum idéal de la spiritualité. En réalité, nos maîtres nous disent qu'après Kippour, justement, il faut redescendre dans la nature et vivre et prendre cette spiritualité, mais l'injecter dans le monde de la nature, parce que c'est le but finalement de la création. Absolument. Et d'ailleurs, j'ajoute juste un point à ce que vous venez de dire, c'est que c'est justement parce que nous sommes capables de Kippour que nous réalisons Soukhot. C'est-à-dire, ça ressemble un petit peu, je vais vous dire, au sacrifice d'Isaac. Dans le sacrifice d'Isaac, qui a eu lieu d'ailleurs dans le Zohar, il y a deux sources, il y a une espèce de contradiction. Est-ce qu'il a eu lieu à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour? Et en fait, là encore, il a eu lieu d'une certaine façon dans les deux. Car dans le sacrifice d'Isaac, pour être très bref, il y a deux actes. Premier acte, Isaac, à 37 ans, dans la force de l'âge, monte sur l'autel enthousiaste parce qu'il représente la loi absolue. Et donc il dit, la loi étant en contradiction avec la vie, eh bien je te rends la vie pour pouvoir réaliser la loi. Et il le fait, nous dit le Midrash, dans un état d'esprit enthousiaste, dans un état d'esprit de véritable réalisation de soi. Et puis à ce moment-là intervient, comme vous le savez, cet ange de Rachamim, cet ange de miséricorde, cet ange bienveillant, avec un sourire d'ange, si vous voulez. Et il dit, mais c'est pas du tout ça que je t'ai demandé. Il dit à Abraham, mais il dit aussi à Isaac. C'est pas du tout... Moi, enfin, la Torah n'est pas une Torah de mort, c'est une Torah de vie. Alors, l'ange en question murmure à l'oreille de Isaac, tu sais, j'ai encore plus que cela à te demander. Au lieu que tu sois capable de donner ta vie au nom de la loi, je voudrais que tu vives dans la loi. Je voudrais qu'à chaque instant de ta vie, tu sois, comme on dit, messirut nefesh, tu sois capable de te donner entièrement, mais dans la vie et pas dans le contraire. Et c'est cela qui, véritablement, caractérise, je crois, la fête de Soukhot. Soukhot, c'est donc cette fête vers laquelle nous avançons à grands pas. Car quand on parle du futur, dans le peuple d'Israël, le futur, il est là, Olam Haba, il est en train de venir. Il vient du présent réussi. Chaque présent réussi, ça s'appelle futur. Et donc, à chaque étape, on est en train de découvrir, maintenant que nous sommes en train de sortir d'exil, car en terre d'exil, c'est ce que nous avons appris, en terre d'exil, il y a rupture entre la loi et la vie. Seulement dans cet espace privilégié qui s'appelle d'abord la soukha, la cabane en question, la cabane sainte, mais bien entendu en direction d'Imaïmonide, dans le guide des égarés, la fête de Soukhot préfigure l'entrée en terre d'Israël. C'est pour ça, dit-il, qu'on va prendre les quatre espèces qui caractérisent tellement la terre d'Israël, le tamar, le palmier, les feuilles de palme, etc. Enfin, ça caractérise. Et donc, en Eretz Israël, ça va être le pays d'Israël est véritablement le lieu privilégié dans lequel ce peuple particulier va être capable de réaliser cette loi particulière de fusion entre le projet de Dieu et le projet de l'homme, de fusion entre de vivre réellement. De vivre naturellement, une vie naturelle, pas une vie d'ascète, pas une vie d'abbaye de Thélem ou autre, mais une vie sociale, mais qui est pleinement irradiée par la loi divine. D'ailleurs, un enseignement magnifique du Gaon de Vilna vient nous expliquer qu'il existe deux mitzvot dans lesquelles nous pénétrons totalement. Il y a la terre d'Israël et la soukha. Absolument. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point-là, à vous dire que la terre d'Israël va être ce lieu de manifestation et de vie avec cette fameuse loi dont vous parlez? Voilà, alors il y a le Gaon de Vilna, qui est cet enseignement que vous citez, nous a été transmis il n'y a pas très très longtemps par un des élèves, il y a 200 ans à peu près, par un des élèves privilégié du Gaon de Vilna, on l'appelle du nom de son livre, le Kolator, un livre qui a fait beaucoup de bruit lorsqu'il a été découvert. Et dans ce livre, le Kolator décrit tout l'enseignement du Gaon de Vilna sur la période messianique. Eh bien, il part d'un verset qui se trouve dans les psaumes 76, dans le psaume 76, verset 6, il est écrit:
en hébreu, Vayhi Beshalom Sukkot. Je le dis en hébreu pour que vous entendiez bien le mot Sukkot qu'il y a dedans. Je traduis donc, son sanctuaire n'est-il pas à Shalem, sa demeure à Sion. Mais quand on dit son sanctuaire, on emploie le mot Sukkah. Or, Sukkah, c'est donc le lieu de résidence. Peut-être, si vous me permettez, une parenthèse, mais que personne n'entend, parce que ce sont des choses ésotériques un petit peu. Le mot Sukkah, Samer Vav Kaf, hey, eh bien, il y a dedans Kaf Vav, 26, et nous savons que 26 est la valeur numérique du tétragramme, du nom de Dieu, tel qu'il est écrit. Et puis, Samer Hey, 65, qui est la valeur des lettres extérieures du mot Sukkah, eh bien, c'est ni plus ni moins que la valeur numérique de Adonai, c'est-à-dire la manière dont le nom de Dieu est lu. Alors il y a une fusion entre la manière dont il est écrit, c'est-à-dire la manière divine, et puis la manière dont il est lu, c'est-à-dire la manière humaine. Donc vous voyez bien qu'il y a ici une véritable fusion entre, on peut dire, le projet de la loi divine et puis la réalisation dans la vie. Alors si on revient à l'enseignement du Gaon de Vilna, il y a quelque chose de très très curieux, c'est que si véritablement, comme vous l'avez dit, il y a ce parallèle absolu entre la vie dans la Sukkah et la vie en Eretz Israël, car dans les deux cas, c'est ce projet d'une véritable retrouvaille avec le naturel authentique de la personnalité hébraïque, pas celui qui a traversé toutes sortes d'avatars exiliques, les quatre exils dont vous avez parlé, je crois, dans une émission précédente, eh bien, les retrouvailles avec ce naturel de la Kedusha, ce naturel de la sainteté qui est vécu dans un microcosme dans la Sukkah du désert, va être vécu dans le macrocosme de la terre d'Israël. Or, si on peut continuer cet enseignement du Gaon de Vilna, eh bien, il y a toutes sortes de lois sur la Sukkah qui vont devenir très percutantes. Par exemple, nous savons que Dofen Akuma, lorsqu'il y a, je ne rentre pas dans tous les détails halakhiques, mais lorsqu'il y a une paroi, comme on dit, Dofen, un mur de la Sukkah qui est en diagonale, qui est penché, qui est pas droit, alors dans la plupart des cas, on va rendre cette Sukkah cachère, on va la rendre propre. Alors, si on fait le parallèle, eh bien, la société d'Israël, de l'État d'Israël, par exemple, même si elle est parfois un petit peu penchée et un petit peu de travers, est-ce que cela ne voudrait pas dire que malgré tout, ce projet est en train de se redresser dans sa plus grande harmonie? Et puis, il y a aussi un enseignement qui dit que lorsqu'on voit quelqu'un dormir en dehors de la Sukkah, alors il y a des opinions diverses, mais certaines opinions disent il faut lui murmurer à l'oreille que peut-être c'est pas très bien et que peut-être il ferait mieux d'aller dormir dans la Sukkah. Est-ce que nous aurions là aussi le droit de murmurer à l'oreille de nos frères qui se trouvent en dehors du pays d'Israël en leur disant il faut peut-être venir dormir ici plutôt que là-bas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous devons avancer vers cette compréhension d'une dimension naturelle. L'exil, je résume l'essentiel et nous passerons à la suite si vous voulez. L'exil a entraîné dans l'identité juive, qui est en train de redevenir hébraïque maintenant, l'identité juive est une identité dans laquelle il y a rupture, il y a déconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors on va rentrer à la synagogue et là-bas, au moins, on va pouvoir vivre en accord avec le projet divin. Mais notre objectif, l'objectif de la nation d'Israël dont on parlait tout à l'heure, c'est de retrouver une dimension nationale du projet divin, c'est-à-dire une mamlechet kohanim vegoy kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte. Alors on pourrait se dire, justement peut-être pour être sûr de votre idée, que lorsqu'une soukha n'a pas les quatre murs, on pourrait dire, mais il faut les quatre murs pour être une soukha, s'il n'y a pas quatre murs, ben, ce n'est pas une soukha. Est-ce que, malgré tout, le fait de dire que la soukha reste cachère ne nous met pas dans une dimension où on prend conscience que tout est perfectible et que même si nous ne sommes pas déjà dans quelque chose de parfait, eh bien, malgré tout, la mitzvah est réalisée
parce qu'elle est perfectible. C'est absolument magnifique, votre question. Je suis presque ému de cette question, parce que c'est exactement le centre de notre analyse. Je veux dire, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est le monde de Dieu. Alors, lorsque on a l'impression, l'intention, de bonne foi, en toute sincérité, en toute piété, on veut rencontrer la perfection morale, la perfection spirituelle, eh bien, comment dire, on a une attitude dite religieuse, c'est-à-dire une attitude dans laquelle on va à la rencontre de Dieu. Mais dans la dimension de Soukhot, dans la dimension du pays d'Israël, c'est lui qui vient à notre rencontre, c'est pas nous qui allons à la sienne. C'est-à-dire, il vient à notre rencontre et nous allons, à la suite de cela, pouvoir découvrir en nous-mêmes la dimension de sainteté qui est en nous. Et c'est ce que vous appelez, à juste titre, la dimension de perfectionnement, perfectible, c'est-à-dire une perfection dans le temps, pas une perfection qui est donnée, car elle n'existe pas, comme on le disait tout à l'heure, quand on vit, eh bien, on faute. Et cette perfectibilité est une ouverture. L'homme qui est, j'ajoute, l'homme qui se croit parfait, eh bien, il a au moins cette imperfection-là. Dans cette rencontre de Soukhot, telle que vous l'avez présentée, il y a différentes dimensions. Durant la semaine de Soukhot, il y a ce qu'on appelle des zouchpizines, des invités, des nobles invités, notamment les patriarches, et nous allons monter comme ça jusqu'à David Ameler, le roi David. Chaque invité porte en lui une notion que nous développons pendant la fête de Soukhot. Est-ce que parmi ces différentes journées, il y en a une qui vous parle plus par rapport à votre développement ? Oui, absolument. Enfin, moi, je suis un fanatique de David Ameler, mais du roi David. Mais dans la Bible, dans tous ses enseignements, je vais en dire un tout petit peu, soulever un tout petit peu le voile de cet enseignement. Pour cela, j'aimerais vous raconter un récit qui se trouve dans le Talmud, dans le traité justement de Souka, à la page 43b. Et là-bas, on nous raconte un récit presque amusant. Il faut situer un petit peu le contexte. On est dans une période talmudique où il y a toutes sortes de sectes qui s'opposent aux pharisiens, c'est-à-dire aux prouchim en hébreu, c'est-à-dire au judaïsme fidèle, au judaïsme authentique. Et il y a toutes sortes de sectes qui... en particulier une secte qu'on appelle les Baïtoussim, les élèves de Baïtus. Et ces gens-là ne croient pas, entre autres, dans la Torah orale. Pour eux, l'essentiel de l'enseignement juif, de la tradition juive, c'est la Torah écrite, c'est celle-là qui a été donnée par Dieu. Un petit peu d'ailleurs dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la perfection. Ils se croyaient des gens parfaits. Et alors le Talmud nous raconte là-bas l'événement suivant. Un jour, il faut dire encore une introduction, le septième jour de Soukhot est un jour très particulier. A priori, c'est un jour comme les autres, des demi-fêtes de Chol HaMoed, mais on l'appelle Hoshana Rabba. Eh bien, ce jour-là est appelé dans le Talmud Shvi'i Shel Arava, le septième jour de la branche de Saul. Or, la branche de Saul, rappelons encore ce que nos auditeurs savent probablement, les quatre espèces dont on parlait tout à l'heure, eh bien, se subdivisent en deux qui sont quatre. Il y a celles qui n'ont pas d'odeur, aidez-moi, et qui n'ont pas de goût, ça c'est le Saul justement, et puis il y a celle qui a un goût, ça c'est le tamar, la date, elle a un goût et elle n'a pas d'odeur. Le hadas, la myrte, elle a une odeur mais elle n'a pas de goût, il n'y a pas de fruits, enfin, les fruits n'ont pas tellement de signification. Et puis il y a l'étrog, le fameux cédra qui lui a et le goût et l'odeur. Et nos sages nous enseignent que, qu'est-ce que ça veut dire le goût et l'odeur? Ça veut dire le goût c'est la Torah et l'odeur c'est les bonnes actions. La Arava, encore une fois, elle a ni goût ni odeur. C'est-à-dire que ça fait allusion à cette catégorie du peuple d'Israël dans laquelle des gens qui n'ont, comment dire, rien pour eux, sinon le fait d'être appelé Israël. Et le fait de faire partie de cette nation dont on parlait tout à l'heure. Car, encore une fois, la Torah n'a pas été donnée aux religieux. La Torah a été donnée au peuple d'Israël.
Et ça signifie qu'on va chez eux, justement, essayer de découvrir cette dimension dont nous parlions abondamment tout à l'heure, à savoir ce naturel de la sainteté qui dépasse infiniment le mérite d'acte et qui est lié avec ce que Manitou appelait le mérite d'être. Et alors, la Gemara nous raconte, maintenant on est avec les introductions nécessaires, la Gemara nous raconte un jour ce Shvi chez l'Arava, ce septième jour de l'Arava, où les Kohanim venaient dresser des immenses branches de saule de 16 coudées au coin de l'autel du temple, ils avaient, ça tombait un jour de Shabbat. Et par conséquent, on ne peut pas cueillir Shabbat, donc ils avaient préparé la veille ces branches de saule et les avaient déposées dans un endroit du parvis du temple, la Hazara. Alors, les Baïtoussim, les fameuses, la secte dont on parlait tout à l'heure, ont vu cela et eux n'ont pas reçu cette mitzvah qui n'est pas écrite mais que l'on apprend par tradition de dresser les feuilles de saule aux quatre coins de l'autel. Ils se sont dit, ça va pas, on va leur jouer un bon tour. Et ils ont mis des pierres sur les mouraviotes, les branches de saule en question qui avaient été préparées en vue de Shabbat. Or, nous savons que les pierres font partie de ces objets muktzés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de transporter, de déplacer le jour de Shabbat. Alors, ils se sont frottés les mains, nos baïtoussim, et ils se sont dit, eh bien, ils ne pourront pas réaliser cette mitzvah qui d'ailleurs n'existe pas de leur point de vue. Et puis, le matin du Shabbat en question, le septième jour de Soukhot, qui tombait un Shabbat, il y a eu des améharatsot, comme on dit, des gens qui savaient la harava, des gens qui n'ont pas ni Torah, ni bonnes actions, rien du tout. Ils sont venus là-bas parce qu'ils ont été attirés, comme tout le peuple d'Israël, par l'endroit et par l'atmosphère. Et puis ils ont vu qu'il y avait des pierres sur les feuilles de saule. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que font là ces pierres? Ils ne connaissent pas la loi concernant Mouktsé. Alors ils ont déplacé les pierres et c'est comme ça que ce jour-là, eh bien, les pharisiens ont vaincu les Baïtoussim et ils ont pu réaliser. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cela? Eh bien, je crois que c'est justement la catégorie de David, le dernier, le septième des Ushpizim, des invités dans la Souka dont vous parliez tout à l'heure. C'est justement ce septième jour, Shvi Shel Arava. Car David est justement le cœur du peuple d'Israël. David, c'est le peuple d'Israël à l'état pur, à l'état fondamental. Rappelez-vous, dans un des textes bibliques les plus célèbres, on voit Michal, la fille du roi Shaoul, qui lui est un juste parfait, alors que David, il y a des hauts et des bas dans sa vie. Enfin, il nous apprend justement le repentir. Eh bien, David se met à danser lorsqu'il accompagne l'arche sainte, la Torah, et il se met à danser avec les servantes, comme ça dit Michal, qui voit ça d'un mauvais œil, qui est sa femme, mais qui voit ça d'un mauvais œil du haut du donjon où elle est, où elle regarde par la fenêtre. C'est-à-dire, David, c'est peut-être une bonne conclusion de cet exposé. David est une espèce, et c'est celui que nous attendons de nos voeux, David Hameler, c'est celui qui va réussir à joindre les dimensions les plus saintes, les plus élevées de la relation au Créateur, la prophétie, les psaumes et d'autres, et avec les dimensions les plus, politiques, concrètes, réelles. Et chez lui, il y a cette dimension du naturel de la sainteté que nous appelons de nos voeux dans la fête de Soukhot. Alors, est-ce que ce roi David, justement, qui, comme vous l'avez dit, fait la jonction à l'intérieur du peuple, avec toutes les catégories du peuple, hein, le roi n'est rien d'autre que l'émanation de l'ensemble du peuple, hein, pas que de l'élite, est-ce qu'il y a aussi, à travers lui, cette notion d'universalisme de la fête de Soukhot? Est-ce que l'on doit élargir au maximum cette vision du monde qui est portée par la fête de Soukhot? Oui, absolument. Je suis heureux de votre remarque parce que vous savez que David a un fils, il a plusieurs fils, mais il en a surtout un, et il s'appelle Salomon, le Shlomo Hameler. Eh bien, ça n'est pas pour rien. Vous savez, David et Shlomo
ce sont deux personnages qui ne sont qu'un. On le voit puisque c'est pas David qui a construit le temple, c'est Salomon. Et pourtant, nous disons Mizmor Shir Hanukkah Tabait le David, le psaume donne l'éloge de l'inauguration du temple par David. Or le Midrash dit mais c'est pas David, c'est Salomon. David et Salomon, ce sont deux catégories. Peut-être il faudra une fois analyser cela plus en détail, mais sont deux catégories d'un même personnage. Eh bien, nous le savons, le roi Salomon va épouser 1000 femmes, qui sont toutes des filles de rois d'ailleurs, et c'est certainement aussi un mariage d'amour, on ne peut pas mettre en doute cela. Mais enfin, c'était surtout un mariage, comment dire, un mariage messianique, un mariage qui a pour but de diffuser ce projet d'une sainteté naturelle, c'est-à-dire non pas une dislocation entre la loi et la vie, c'est de là que nous avions commencé, mais au contraire une réconciliation entre la loi et la vie, diffuser cela au niveau des nations. Il y a le rôle particulier, singulier du peuple d'Israël, qui est celui qui a été choisi par Dieu et qui a accepté la loi difficile, la loi divine dont nous avons parlé. Et puis il y a ensuite ce mouvement vers les nations, du dedans de cette société d'Israël réussie, en train de réussir avec l'aide de Dieu. Eh bien, il y a du dedans de cette société une espèce d'ouverture vers les nations lorsque les 70 nations vont venir à Jérusalem pour recevoir chacune finalement la bénédiction divine par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Dans la liturgie rabbinique, la liturgie des moments de prière, de Hamida notamment, pendant la fête de Soukhot, on qualifie la fête de Soukhot de Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Est-ce que la joie vécue du peuple d'Israël n'est pas intimement liée à cette proximité et au fait d'avoir un seul faisceau des nations du monde qui se tourne vers leur Créateur ? Absolument. C'est Soukhot, comment dire, c'est la fin de toutes les dislocations, c'est la fin de toutes les ruptures, c'est la fin de toutes les antagonismes entre Israël et les nations, entre Israël et lui-même, entre le monde de Dieu et le monde de l'homme, entre finalement une religion antinaturelle, antinature, contre nature de la personnalité, et puis une nation qui réalise en pleine nature, c'est-à-dire en mangeant, en dormant, en ayant une économie saine et sainte, une vie véritablement sociale qui soit pleinement le reflet du projet moral du Créateur. Et donc, Achag, dans le langage de nos Chachamim, dans la Mishnah. La fête par excellence, puisque c'est véritablement, comme nous lisions tout au début, les retrouvailles avec cet instant zéro de la création où il y a fusion entre la loi et la vie, mais maintenant, ça passe par le peuple d'Israël et par la capacité qu'il a de s'ouvrir aux nations pour diffuser cet enseignement. Je me permets une dernière question. Parce que j'y pense en discutant avec vous, à travers votre présentation de la fête de Soukhot, nos maîtres nous invitent toujours à chercher la première occurrence dans la Torah des expressions, notamment la fête de Soukhot. Alors on peut chercher Soukhot dans la Torah, où est-ce que l'on trouve Soukhot dans la Torah? Alors on en parle bien évidemment de la sortie d'Égypte, mais avant, Yaakov. Avec Yaakov. Est-ce qu'on peut rentrer le personnage de Yaakov dans toute cette présentation de la fête de Soukhot? Là encore, la réponse est dans la question. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et bien entendu que c'est le troisième, et c'est le troisième patriarche dans le sens harmonie, c'est-à-dire celui qui va nous permettre la perfectibilité dont vous parliez tout à l'heure, celui qui va nous permettre de réaliser cette perfection et de chesed et de din, et de générosité et de rigueur, à la fois, mais dans le temps historique de la réalisation messianique. Donc nous voyons bien cette fête tellement importante, au confluent de tant de valeurs, les trois fêtes de pèlerinage, les trois fêtes du mois de Tichri, les trois patriarches de l'histoire du peuple d'Israël, avec cette présentation absolument originale et unique que vous venez de nous faire. Rav Hatoun, merci beaucoup. Merci pour cette présentation de la fête de Soukhot. Mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle fête de Soukhot, de passer un bon dimanche, et je vous dis à bientôt.